Vous vous souvenez peut-être de cette phrase que l'on attribuait à la génération d'après-guerre en Allemagne de l'Ouest, à savoir « Hitler connaît pas ». Eh bien, les choses ont beaucoup changé depuis quelques années. Au noyau dur des nostalgiques du nazisme sont venus s'ajouter quelques amnésiques, c'est-à-dire des gens qui ne se souviennent plus très bien. Moralité, près de 40% des Allemands aujourd'hui estiment qu'il n'y avait pas que du mauvais dans le nazisme, au contraire. Et on a vu récemment aux élections municipales à Francfort le parti néo-nazi recueillir près de 7% des suffrages, des chiffres qui sont très commentés en ce moment en Allemagne à la veille du 100e anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Jérôme Bonny. Selon un sondage publié la semaine dernière par le magazine allemand Der Spiegel, 46% des personnes interrogées estiment que la période nazie n'a pas été totalement négative. 38% qu'il y a plus de côtés positifs que de côtés négatifs dans cette période. Des chiffres qui font frémir. Ils s'expliquent sans doute plus par la conjoncture économique que par des convictions idéologiques. Mais le fait est là, l'absence de chômage, à l'époque, semble peser plus lourd dans la balance que les chambres à gaz. Un sondage qui vient après des succès électoraux de l'extrême droite, qui a obtenu 10% des voix lors de récentes élections locales à Berlin et à Francfort. Franz Schönhuber, leader du Parti républicain, estime qu'il pèse 25% des voix en Bavière et que la xénophobie est une nécessité. Bien sûr, les groupuscules ouvertement néo-nazis restent très marginaux en Allemagne fédérale, mais la nostalgie et les risques de dérapage existent. À la veille du centenaire de la naissance du Führer, des militants néo-nazis ont été arrêtés par la police. Mais l'un d'eux, Michael Kühnen, veut toujours célébrer cet anniversaire par un congrès européen. Leader du Rassemblement National, un groupuscule parmi d'autres, il fait partie de ceux qui, prenant leur désir pour des réalités, croient pouvoir faire basculer une opinion allemande encore très majoritairement hermétique à leur thèse.